Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Kirby's Adventure pour un nouveau Switch secret. On s'attaque à celui du stage 6 du monde 6. Plus que 3 Switch secrets, vous aurez complété cette quête annexe à 100%. Donc c'est parti. Donc pour obtenir ce Switch secret, il vous faudra tout simplement le pouvoir OVNI ou UFO, hein, ça dépend sur quelle version vous jouez. Vous allez voir que ce pouvoir est très très simple à obtenir dans ce stage puisqu'il se trouve dans la deuxième zone du niveau. En fait, vous avez tout simplement plein d'OVNI. Donc là, vous voyez, vous arrivez au petit igloo. Et ici, vous avez deux ovnis. Vous restez en mode pour avaler, tout simplement, et vous allez quasiment automatiquement obtenir votre pouvoir pour l'ovni. Ensuite, vous descendez. Vous voyez, là, je suis revenu dans la toute première zone. Vous descendez, et vous avez ici, tout simplement, un petit passage secret avec une porte qui est coincée par des blocs de glace. Vous chargez un tir au maximum avec votre ovni, vous tirez, et ça débloque l'accès à cette porte et au switch secret. Vous voyez, vraiment très très simple à obtenir celui-ci, un rapide en plus, que demander de plus. Et donc vous obtenez l'accès tout simplement à une nouvelle Warp Star Station, donc ce qui vous permettra d'accéder plus rapidement au monde précédent. Donc ensuite vous arrivez dans une zone qui est assez dure je trouve, c'est la zone avec les ovnis qui vous foncent dessus. Alors là j'ai un peu de chance. Parce que la plupart du temps, on se fait foncer dessus, mais les ovnis, c'est des kamikazes, quoi. On vous fonce dessus, vous perdez une barre de vie gratuitement. Donc, je vous avais montré le passage supérieur. Je vais vous montrer cette fois-ci le passage inférieur. Donc, celui-ci est assez simple, hein. Il suffit tout simplement de charger un tir pareil au maximum et vous le balancez directement sur le sous-boss. Et ça le one-shot, en fait, quasiment, tout simplement. Donc en plus de ça, voilà, vous pouvez prendre le sous-boss pour le balancer sur un autre, enfin c'est excellent. Ensuite, vous avez une petite zone toute aquatique, donc qui est très 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 simplement passable, hein. Il faudra juste être prudent parce que vous avez une grenouille qui peut vous foncer dessus, voilà, si vous êtes assez rapide en mode ovni. Et vous avez surtout à la fin un petit monstre épais, donc qui vous pourra quand même, enfin qui la part du temps est assez... qui a une bonne IA et qui du coup peut assez facilement vous mettre un petit coup. Donc là vous voyez que du coup on arrive par en bas et on arrive dans la dernière zone avec la horde de Meta Knight. Donc là ça va faire mal. C'est le passage que j'ai trouvé vraiment le plus complexe dans mon stage en no damage. C'était horrible ce passage là. Les ennemis apparaissent n'importe où, ils font des actions qu'ils vous ont jamais fait avant, enfin c'est assez incroyable. Donc il faut être très prudent, surtout avec les ennemis, je trouve, là, qui balancent les sortes de fourches, qui sont très très vicieux, je trouve, qui arrivent vachement bien à vous viser, mais d'une distance absolument incroyable. Donc moi, ce que j'adore, en fait, pour ces hordes de Meta Knight, voilà, justement, ce genre de choses, c'est d'utiliser uniquement le pouvoir normal. Ça vous permet vraiment de... Bah, je dirais, je sais pas, de rester safe parce qu'on est beaucoup plus... Enfin déjà, vous pouvez les one-shot parce que par exemple, si vous avez le pouvoir d'épée, il faudra mettre deux coups d'épée. Alors que là, vous les avalez, vous êtes sûr d'avoir battu l'ennemi. Et en plus, vous pouvez vous servir de cet ennemi-là pour en tuer un autre du premier coup. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur le stage 6 du monde 6, Océan Orange. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des problèmes, quoi que ce soit, vous postez un commentaire. Je vous répondrai le plus rapidement possible et avec plaisir. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo, le boss du monde 6. Allez, à tout de suite.